Ils arrivent du bout du monde ou du fond des campagnes, du quatrième étage de la tour excentrée ou du centre piéton où ils errent depuis... c'est plus. Seuls ou en famille. Certains ne manient pas la langue française, administrative, française, tout court, administrative, surtout. D'autres la connaissent mais restent silencieux, n'exprimant que quelques mots. CADA, RSA, fin de droit, non-accès, MDPH. L'urgence de la situation électrise les uns, paralyse les autres. Ils viennent voir l'écrivain public qui, en général, est une femme bénévole. Ne pas sombrer. Cet humble héros écoute, il comprend, il ne sort pas du cadre, il contient le patient dans le cadre, il ne se laisse pas déborder, prétend-il. Il fulmine secrètement, il est les sept mercenaires à lui tout seul, voudrait ajouter des lignes dans les dossiers pour les enfants nombreux, pour les liens conjugaux, pour les multi-employeurs à contrat court. Mais au fond, ce qu'il aimerait, c'est écrire des lettres d'amour.